C'est la première fois que Benjamin Netanyahou rencontre son rival Benny Gantz depuis que ce dernier a été mandaté pour former le prochain gouvernement. Des pourparlers ambitieux mais qui n'ont pas abouti pour l'instant à une sortie de crise. Israël est plongé dans une impasse politique depuis le printemps avec deux élections consécutives, deux scrutins qui n'ont pas réussi à départager clairement les deux adversaires ni à déboucher sur un gouvernement d'union. Nous devons prendre des décisions sérieuses qui exigent un gouvernement de grande envergure. Par conséquent, l'importance de former un vaste gouvernement d'unité nationale n'est pas une question politique, mais d'abord et avant tout une question nationale et de sécurité. J'espère que nous pourrons promouvoir cet objectif dans les prochains jours. Les discussions ont eu lieu à Tel Aviv, au siège de l'armée dont Benny Gantz a été le grand patron. Les deux hommes ont abordé les différentes options politiques qui s'offrent désormais à eux. Ils ont convenu d'un prochain rendez-vous, avec toujours pour objectif de sortir de l'impasse politique qui dure dans le temps.